propose deux stands. Le premier, c'est un stand découverte avec la réalité virtuelle. Et le deuxième stand, c'est un tournoi course contre la montre avec Mario Kart 8. Mais qu'est-ce que ces jeux vidéo viennent faire dans une journée portes ouvertes à l'université? Alors, nous sommes une association étudiante qui aime les jeux vidéo et qui préparons des événements pour les étudiants durant l'année. Et une fois par année, pendant un week-end, on fait une free LAN. C'est une LAN party avec 60 à 80 participants pendant tout le week-end. On joue ensemble matin, midi, soir et parfois on ne dort pas. On est en train de faire un parcours moteur les yeux bandés pour reproduire l'enseignement des sports adaptés aux personnes malvoyantes. Voilà, donc l'exercice, c'est de pouvoir donner des consignes assez claires pour que la personne puisse faire le parcours à obstacle sans se blesser ou en toute sécurité. Okay. On peut avancer encore 3-4 pas. On perd notre repère principal un peu. On est tellement habitué à avoir la vue que là, j'ai aucun repère finalement. Si on ne me dit pas où je dois aller, je ne sais pas quoi faire. Et en général, quelles sont les réactions des personnes qui s'essayent à ces exercices périlleux presque? Les gens ont trouvé, je crois qu'ils ont trouvé assez amusant, assez insécurisant, parce qu'en plus, on ne connaissait pas les gens qui sont venus, donc ça prend un sentiment de confiance assez important pour se faire guider par quelqu'un. Alors que quand on ne peut pas vraiment voir, bien, on a besoin d'un sentiment de confiance qui n'était pas nécessairement facile au départ, mais ils ont découvert quelque chose, je crois, et puis ça a été assez positif. Pas ouf. Les jeux auxquels on a joué sont en effet des jeux qui ont traversé les siècles. Les jeux d'osselets, même si on ne les pratique plus beaucoup, mais les jeux de dés, les jeux de plateau, avec toutes sortes de petites variantes que chacun a pu tester. Un des buts, mais aussi un des plaisirs de cette journée, c'est de nous retrouver grâce à des jeux qui nous viennent du passé, qui nous relient aujourd'hui et qui nous relient aussi avec ce passé, cette antiquité qui est finalement très proche. Ici, en utilisant le fait que la force est égale du pression hydrostatique multipliée par la surface, on va monter ces poids de 4 kg en total avec un petit seringue qui pompe de l'eau très lentement. Et puis, on voit que la surface ou la ratio des surfaces multiplie la force que j'appuie ici et mes petits pompes facile, il monte les 4 kilos. Voilà. Sur un peu les couleurs bizarres des insectes. Ils n'ont pas vraiment des couleurs normales, ils ont un peu des couleurs qui... En fait, ils changent de couleur et leurs couleurs, elles sont un peu brillantes. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais... Est-ce que ça te donne éventuellement envie de devenir biologiste ou d'étudier la matière? Ça fait des années que j'essaye, que j'aimerais bien être scientifique, donc ça me donne encore plus envie. Si tu les regardes de l'autre côté, ils sont assez moches. Ils sont méchants, tu vois. Ils sont juste sympas d'un côté. Est-ce que c'est facile de parler de sujets tellement compliqués, de recherches tellement poussées, même à des enfants? Non, c'est mieux. Parce qu'en fait, à l'école, ils sont appris d'être assez polis, d'écouter. Donc je pense que c'est même mieux qu'expliquer aux adultes. Cet atelier, ça s'appelle Zentangle. C'est une méthode de méditation dessinée où on apprend en fait à déconstruire des motifs et à les reconstruire en faisant toujours un même trait. L'objectif, c'est d'apprendre à se calmer, à voir la valeur de la répétition et puis à apprendre à dessiner tout simplement et à mieux regarder notre environnement. Yeah, I think it's
interesting and it was very calming. It's nice. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nützlich sein wird. Ich mache es generell, ich zeichne ja schon für mich immer wieder, um mich zu beruhigen. Und das ist einfach eine neue Methode, die ich dann anwenden kann.